Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans le 8h de Maurice Info. Nous sommes le 15 mars 2018, 74e jour de l'année. Nous fêtons les Louisa, Louise, Louisette et Lucrèce. Un avis de vent fort est en vigueur à Maurice depuis 4 heures pour cause d'effets combinés de la dépression tropicale au sud-sud-ouest d'Agariga et un anticyclone au sud qui provoque un temps venteux sur la région. Le vent soufflera de l'est de 35 à 45 km, avec des rafales atteignant les 90 km aux endroits exposés. Dans un communiqué de presse émis le 14 mars 2018, la présidente de la République a annoncé qu'elle ne va pas démissionner comme annoncé par le chef du gouvernement. Elle est prête de jurer un affidavit pour se défendre et assurer qu'elle n'a profité de rien en sus de sa position de chef de l'État ou en tant que membre de l'ONG Planet Earth Institute. Sortie importante cet après-midi pour le Premier ministre qui rencontre les Head Boys et les Head Girls des collèges OMGI. Une réaction sur toute l'affaire Amina Gharib Fakim est attendue. La ministre de l'Égalité du Genre va lancer un atelier de travail de 2 jours sur le Children's Bill and Adoption Bill au Gokres Hostel dans la matinée. Au classement est celui du Mauritius Criminal Law Review qui aura lieu au Ratsumé à la Lectures Theatre à Port-Louis. Les membres de l'opposition n'ont pas tardé à réagir à l'annonce de la présidente, le PMSD, le MMM, le Parti travailliste, le MP. On réclame son départ. Xavier Luc Duval a fait savoir que le PMSD va voter une motion, mais pas un amendement constitutionnel. Le MMM, à travers Ajay Ganesh, demande la démission du Premier ministre et de son adjoint. Pour sa part, Navin Ramgoolam a indiqué que les Rouges ne vont pas insister pour la motion de blâme et va soutenir la motion de destitution si elle est présentée. Pour Alain Ganou du mouvement patriotique, c'est parti pour la gloire car le processus est très complexe. Lancement de l'Omniken Award 2018, une compétition pour les collégiens et collégiennes du grade 11, 12 et 13, avec comme premier prix 100 000 roupies et 40 000 roupies pour le deuxième prix. Les équipes devront faire leur soumission entre le 1er et le 8 juin 2018 sur le site d'Omniken. Digital Réunion a annoncé une troisième édition du forum NXSE qui aura lieu à Paris le 9 et 10 octobre 2018. Goût de France au Hilton Mauritius Resort & Spa le 21 mars, au restaurant Les Coquillages pour l'édition 2018, le public pourra déguster divers plats. Le cinéma CSA vous offre 4 séances par jour pour le Hit Bollywood Hate Story numéro 4. La troisième édition du NIMA Junior 5 aura lieu. Les éliminatoires auront lieu le 14 et 15 avril et la finale est prévue le 28. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 12 avril 2018. Les bouchons dans les endroits habituels ce matin, respectez le code de la route, roulez prudemment. Un avis de vent fort est en vigueur à Maurice et des nuages dans le sud de l'est continuent à influencer le temps local. Période nuageuse le matin et au cours de la journée avec des averses passagères, surtout au nord, à l'est et sur le plateau central. Mer forte au-delà des récifs, les sorties en haute mer, de même que dans les lagons de l'est et du sud, sont déconseillées. Pour terminer, un joyeux anniversaire au lecteur de Maurice Info. Fin de cette nouvelle édition, passez une belle journée, à bientôt pour le 8h sur Maurice Info.